Vous avez des dents et vous cherchez une recette de dentifrice simple, efficace, à faire vous-même, et pas chère en plus? La voici! Pour la recette, il vous faut 4 cuillères à café d'argile blanche. L'argile blanche est un abrasif doux, et en plus, il est assainissant et il va donner la texture à votre pâte. Donc ça va être un épaississant. Après ça, vous prenez une cuillère à café d'huile de coco. Alors ne soyez pas étonnés, l'huile de coco passée 25 degrés, elle est complètement liquide. Alors l'huile de coco, c'est super parce qu'il a des propriétés blanchissantes. Bon, ne vous attendez pas à des miracles non plus, c'est sur le long terme que ça fonctionne. On rajoute 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. La menthe poivrée est un antiseptique et anti-inflammatoire. Et en plus, c'est bien pour la mauvaise haleine, ce qui est plutôt pratique pour un dentifrice. On mélange le tout. Et enfin, vous ajoutez un peu d'eau pour obtenir la texture que vous voulez. Je ne vais pas en mettre beaucoup pour avoir une pâte assez épaisse, parce que je préfère, c'est plus pratique après pour mettre sur la brosse à dents. Maintenant, votre pâte est prête. Vous la mettez dans un pot propre, hermétique, que vous mettez à côté de votre brosse à dents comme un dentifrice classique dans votre salle de bain. Et vous allez pouvoir mettre le dentifrice à l'aide d'une petite cuillère ou une petite spatule en bois directement sur votre brosse à dents tous les matins et tous les soirs. Alors, le petit plus, une fois par semaine, saupoudrez votre dentifrice de bicarbonate de soude. Ça va blanchir vos dents et lutter contre les gingivites. Je vous ai montré une recette, il y en a d'autres, notamment à base d'aloe vera ou d'huile essentielle de citron. N'hésitez pas, si vous en connaissez d'autres, à partager vos recettes sur le comptoir de la débrouille. C'est un groupe Facebook où on échange tous nos bons plans. Salut !